mystère quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas. Hunting te protège. Va, va. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas. Hunting te protège. Va, va, va. Temple de Thor, Islande. Locke et l'équipe Huntic doivent affronter un groupe de fidèles appelés les Gardiens de Thor, dont la mission est de protéger le marteau Mjolnir. Dans les profondeurs du temple, nos héros croisent la route de Fenris, un titan sauvage et redoutable, ainsi que celle de plusieurs agents de l'organisation. Ce n'est que lorsque Dante et Montéu décident de travailler en équipe qu'ils parviennent à s'emparer du marteau et à renverser leurs ennemis. J'ai rendez-vous avec un contact qui travaille au marché noir dans quelques jours. Il peut vous obtenir un nouveau traitement. Il faut vous accrocher. Ce n'est pas la peine. Dante, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour moi. Metz, vous êtes le président de la Fondation Huntic. Les chercheurs ont besoin de vous. Je peux vous promettre que je vais trouver un moyen de vous soigner. Je sèche complètement. C'est comme si je passais un examen super difficile après 2 mois de vacances, t'imagines? Voyons, ne baisse pas les bras, Locke. Prends exemple sur Sophie. Tu voudrais pas m'expliquer comment ça marche? C'est ce qu'on appelle les tessellations. Le dessinateur Escher en a réalisé beaucoup. Celles-ci sont légèrement plus complexes, je l'avoue. Des télessa quoi? Des tessellations. Le but est de recouvrir une surface entière par un même motif. Tu ne te rappelles pas de tes cours d'histoire de l'art? J'essaie de les oublier, justement. Dante, vous revoilà. Vous êtes parti pendant quasiment 2 jours. Et sans prévenir, on se faisait du souci. Vous peut-être, mais pas moi. À mon avis, Dante n'a pas très envie de partager le moindre détail de sa vie privée avec vous. Cela étant dit, je suis sûre qu'il était parti en mission. Est-ce que je me trompe, Dante? À vrai dire, je n'ai fait que préparer mes bagages, car je pars à Vienne cette semaine. Ah, mon père parle sans arrêt de cette ville dans son journal. Ça tombe bien, on vous accompagne. Désolé, mais honnêtement, je préfère y aller seul. Quoi? Oh. Mais... Il y a des problèmes qu'il vaut mieux régler seul. Dommage, j'avais justement l'intention de me rendre à Vienne pour affaires. Dante, je croyais qu'on formait une équipe. Je ne comprends pas, Metz. Pourquoi ne pourrais-je pas y arriver seul? Même si un chercheur peut s'en sortir seul, c'est en adoptant un esprit d'équipe qu'il accomplira de véritables exploits. Très bien. Vous avez gagné. Vous pouvez venir. Ouais, génial! On pourra enquêter sur la disparition de ton père. Quoi? Mais... comment t'as réussi à terminer? Je n'ai fait qu'observer les pièces dans le miroir. Tu veux dire que c'est leur reflet qui t'a aidé? C'est comme ça que j'ai compris comment elles s'emboîtaient les unes dans les autres. Beau travail! C'est bien souvent en considérant un problème d'un point de vue radicalement opposé qu'on arrive à le résoudre. Plus de son rayon! Prends garde à toi, Dantval! Un jour, je te jure que je t'aurai.
Faites attention à cette cellule d'entraînement et hors de prix de forme. Ah, Rassimov, toutes mes excuses, ça ne se reproduira plus. Suite à vos récents échecs, le professeur vous surveille de très près, mais il veut vous l'envoyer sur le terrain. Et ce, dès aujourd'hui. J'en suis ravi, vraiment. Tant mieux, donc... C'est un immense soulagement pour moi. Sachez que vous êtes chargé d'une quête périlleuse et d'une importance capitale. Quel genre de quête? Vous partez pour Vienne afin de rapporter le puissant titan nommé Roi Basilisk. Prenez cette clé, elle vous sera utile, c'est le professeur lui-même qui se l'est procurée. Elle est donc particulièrement précieuse à ses yeux. Entendu. Inutile de vous dire ce qui se passera si jamais vous échouez, n'est-ce pas? Mon père fait souvent référence à Vienne dans son journal, je me demande pourquoi. Il est possible qu'il nous ait laissé un indice. Regarde. De toute évidence, il s'agit d'une adresse. Dans ce cas, nous avons trouvé notre destination. Ah. J'ai un problème d'ordre privé à régler. Ça va me prendre toute la journée, alors ne m'attendez pas. C'est bien compris? Ça m'est égal. Je pense être assez grande pour réussir à trouver ce que je cherche toute seule. Je suis sûr que vous allez vous trouver une occupation. Appelez-moi si jamais il y a une urgence. Alors ça, c'est bizarre. On dirait que Dante veut à tout prix nous tenir à l'écart. En effet, c'est étrange. Il a l'air d'être un peu préoccupé. Il y a sans doute un moyen de l'aider, tu ne crois pas? Oui, mais lequel? On pourrait commencer par le suivre pour voir où il va. Ah oui, bonne idée. Il est où? Il a disparu. J'aurais dû me douter qu'il arriverait à nous semer en un rien de temps. Bon, et maintenant? J'ai une idée. Pourquoi on n'essaierait pas de trouver l'adresse indiquée dans le journal de mon père? T'as entendu, Dante? Ne m'attendez pas, c'est bien compris. Et aux dernières nouvelles, on est censé lui obéir, hein? Exact. Je pensais pas que c'était aussi loin, mais on a fini par trouver, c'est le principal. Regarde! Tu vois cette statue? Sur le toit? C'est le roi Basilisk. C'est un titan? Bien sûr, voyons. Selon la légende, on a emprisonné ce lézard géant dans la pierre pour en faire le gardien d'un trésor. Oh, Locke, attends! T'inquiète, Dante m'a appris un nouveau pouvoir, alors en cas de chute, je sais comment retomber sur mes pieds. Moi qui voulais éviter qu'on se fasse remarquer, là je crois que c'est raté. Mais c'est une statue, tout ce qu'il y a de plus banal. Oh, descends de là, je vois que quelqu'un approche. Voilà, on y est. Venez. Chute de plume. L'organisation veut s'emparer du titan, ça ne fait aucun doute. On dirait que nous avons une nouvelle mission. Ouais, on dirait. Ouvre la porte, déclencheur! Après toi. Tenez, monsieur. Rappelez-moi de dire merci au professeur. Le roi Basilisk sera bientôt à moi, et il me sera très utile pour éliminer Dante Vall. Restez ici. Assurez-vous que la porte reste ouverte et que personne ne touche à la clé. Dans le cas contraire, je risque fort d'être désagréable. Oh. À mon avis, quelqu'un l'a assommé, celui-là. Oui, mais qui? J'ai la nette impression que nous ne sommes pas les seuls à les suivre. Il va falloir redoubler de prudence. Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Je crois qu'on est suivi. Il va y avoir du grabuge. On sait que vous êtes là! Vous êtes un petit peu trop sûr de vous. Vous auriez intérêt à travailler votre sens de l'orientation.
Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est une excellente question. Cette maison cache un trésor et c'est pour cette raison que je suis venue. Mais on dirait que l'organisation a eu la même idée. Oh, c'est vraiment drôle, cette coïncidence. Qu'est-ce que tu insinues là? Je sais à quel point vous aimez vous chamailler, mais on doit empêcher Defoe de mettre la main sur le roi Basilisk. C'est vrai, il n'y a pas de temps à perdre. Je crois pas. Ils ont un plan. Je comprends mieux pourquoi ils ne se sont pas perdus dans ce vrai labyrinthe. Suivons-les. C'est sans doute le meilleur moyen de ne pas se perdre. Quelle bonne idée. C'est surtout le meilleur moyen pour les laisser arriver avant nous. Mais si on arrive à leur voler le plan, on trouvera le titan avant eux. Peut-être qu'on ne peut pas passer devant eux, mais rien ne nous empêche de passer au-dessus d'eux. Au-dessus? Contentez-vous de faire diversion quelques minutes. Chérit et moi, on s'occupe du reste, d'accord? Donne-moi des ailes, Kyprine! Nous sommes presque arrivés, Greer. Le professeur sera très content de moi cette fois. C'est certain. Dantval a beau avoir coutume de saboter mes plans, le vent a tourné et je vais le lui prouver. À l'attaque! Griffu! Cérébro-drone! À moi! Briseur! Détruis-les! Ils sont trop nombreux! Allons-nous-en! Ne les laissez pas s'enfuir! Suivez-moi! Elles l'auront bien cherché! Lève-toi! Grutalk! Restez où vous êtes! Plus de sorion! Chute de plume! C'est pas encore tout à fait au point, je crois. On dirait que tes amis ne sont plus là pour t'aider maintenant. Locke! Alors, vous n'avez pas encore compris? Vous êtes tombé dans le piège de Dante! Ça faisait partie de son plan! Tu mens! S'il ment, comment se fait-il que je sois juste derrière toi? C'est bon, t'as le plan! Super! Allez, viens! On a réussi, mais je me demande où sont Sophie et Zalia. Ne t'inquiète pas pour elles, elles sont aussi futées l'une que l'autre. Elles vont nous retrouver très tout facilement. Comme il faut, d'ailleurs, si tu continues à jouer avec le feu. Ces sbires nous ont attaqués. Mais je te rassure, on a quand même réussi à les semer. Dis-moi, Locke, comment vous vous y êtes pris, Chérit et toi, pour échapper à Defoe? J'ai imaginé ce que Dante aurait fait à ma place. J'aimerais bien qu'il soit avec nous en ce moment. Ça, je ne te le fais pas dire. Il me manque. Enfin, je veux dire, il pourrait nous être utile, il a de nombreux pouvoirs. En tout cas, s'il était là, on pourrait examiner le plan en se servant de l'holotome. Ça n'est pas un problème. Cypherdex! Tu ne m'avais pas dit que tu avais un holotome? En fait, la Fondation a conçu l'holotome en s'inspirant de cet appareil, le Cypherdex. Ma famille s'en sert depuis plusieurs générations. Tous les groupes de chercheurs possèdent ce type d'appareil, même l'organisation. Cette bande d'imbéciles est tombée dans le panneau. J'ai entendu dire que l'un de vos amis a quelques petits soucis de santé. Le bouillon de poule fait des miracles. Vous n'en auriez pas à vendre? Je pense avoir apporté tout ce dont vous avez besoin. Nous verrons bien. S'il y a un problème, je vous tiendrai responsable. Je peux vous promettre que je vais trouver un moyen de vous soigner. Cypherdex, montre-nous le labyrinthe! Désolée, mademoiselle. Fichier endommagé. Affichage impossible. C'est pas vrai! Ton super Cypherdex n'a pas l'air aussi efficace que ça, en fin de compte. Regardez, on dirait que le plan est recouvert d'une sorte de feuille plastifiée. Brise, sort! Alors, c'est pour ça que je n'ai pas vu Defoe le scanner en entrant. Cypherdex, tu peux réessayer maintenant. J'imagine que c'est dans cette pièce qu'on doit se rendre. Il faut aller tout droit, parcourir 30 mètres et tourner à droite.
En route. J'ai hâte de trouver ce titan. Les agents de l'organisation vont sans doute s'arracher les cheveux en essayant de retrouver notre trace. Ils n'y arriveront jamais sans le plan, ça c'est certain. Vous avez entendu... Pulsorion ! Tu t'imagines probablement que je n'ai pas réussi à scanner ce plan. Eh bien, sache que c'est moi qui ai appliqué un vernis qui empêche quiconque de numériser le document, après avoir pris le temps de le scanner, bien sûr. C'était une idée de génie, tu ne trouves pas? Lien de désespoir! Entre nous, je crois que tous tes petits joujoux sont un peu trop dangereux pour toi. Allez, attache-les! Alors, voyons voir ce qu'on a là. Tiens, tiens, tu m'as l'air coriace, on dirait. Mais peu importe, j'ai un autre titan qui m'attend. J'ai l'impression qu'ils sont partis faire la fête sans moi. Ils ont pris le Cipher Dex. Ainsi que le journal. C'est le plan que Zalia a étudié sous tous les angles. Je ne vois pas pourquoi ils seraient les seuls à s'amuser. Vous deux, là! Il est temps de passer au dernier acte. Allez, ouvrez le rideau! Bien, monsieur! Plus vite, imbécile! Oh, quelle terrible tragédie. On va avoir besoin d'autres cobayes. Oh, c'est une chance que la Fondation Untik ait justement eu l'amabilité de nous en offrir quelques-uns. Je suis sûr que notre grand chevalier du ciel et son acolyte, Mademoiselle Je sais tout, meurent d'envie de nous aider. Vous aimez les casse-têtes, il me semble. Très sincèrement, non. Je préfère m'en passer, mais merci quand même. On est coincé. Je veux pas être transformé en statue de pierre, moi. Si on reste calme et qu'on se concentre, ça devrait bien se passer. L'heure tourne, les enfants. Seul celui qui a levé les yeux a été transformé en pierre. C'est sûrement parce qu'il l'a regardé. Dans la légende que tout le monde connaît, c'est le regard du reptile qui transformait les gens en pierre. Et pourquoi ne pas considérer le problème sous un angle différent, comme lorsque j'ai emboîté les pièces grâce au miroir? Un miroir? Mais oui, c'est ça! Le regard du basilisque est bloqué par le rideau qui absorbe la lumière. Tandis qu'un miroir permettrait de réfléchir la lumière. Et de tourner le regard du lézard contre lui. Ouais, sauf que jamais on trouvera de miroir ici, à moins d'un miracle. Oh. C'est un miroir de poche, mais il marche. Tu crois vraiment que tu vas nous sauver la vie avec du maquillage? Tu préfères lui faire les yeux doux en priant pour qu'il t'épargne? Pas de problème, ravie de t'avoir connu. Bon, surtout n'oublie pas, tu ne dois pas ouvrir les yeux. Sophie, dépêche-toi! Regarde, il y a une autre pièce. Maintenant que vous m'avez déblayé le terrain, je peux vous rendre la monnaie de votre pièce. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes tombé dans le piège de Dante, ça faisait partie de son plan. Ça ne prendra pas cette fois. Je vais te montrer ce que je fais aux petits menteurs dans ton genre. S'il ment, comment se fait-il que je sois juste derrière toi? Non! Lève-toi, Kretalk! Faisons un peu de ménage, Caliban! La bataille a commencé. Briseur! Enfin un peu d'action, je commençais à m'ennuyer. Vulsorion! C'est mal barré, on ne peut rien faire sans nos titans. De fou a fait tomber son sac. Il était là-bas. Il n'y on y plus. Va, Pulsorion! Garde ta mère! Tiens! Regarde, le sac! Il est là!
Il est temps de changer la donne, Sabriel! Et maintenant, réduis-les en miettes, freelanceurs! Oh. S'il est à ce point antipathique, ça va être dur d'établir le lien. Tape là ! Caliban ! Non ! Non ! Ça, je ne m'y attendais pas. Bien. Vous voilà tous à ma merci. Non, pas tous. Vous ne vous êtes pas encore frottés à moi. C'est du bluff. Elle veut nous faire croire que le roi Basilic lui appartient. Elle ment. Grire ! À votre place, je n'en serais pas si sûre. Mets-leur une bonne raclée. Roi Basilic ! Oh, bien joué! Est-ce que vous avez vu ça? Impossible! J'imagine que vous n'avez pas envie de finir comme lui. Alors écoutez-moi bien, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la fuite en priant pour qu'il ne vous pourchasse pas, soit le piédestal dans la pièce voisine accueillera bientôt une nouvelle statue. Je n'en ai pas fini avec toi, Tanteval. Et je te jure qu'un jour, je réussirai à t'anéantir. Pourquoi tu les as laissés partir? Parce qu'elle n'a pas eu le choix. Faire appel à un titan aussi puissant demande beaucoup d'efforts en général. C'était du bluff, je le crois pas. Qu'est-ce que cette clé fait ici? Tu viens, Locke? Oui, oui, j'arrive. Pourquoi est-ce que l'organisation avait cette clé? Mon père l'a dessinée dans son journal. Aucune idée. Peut-être qu'ils étaient tous à la recherche du même trésor. Je commence à me dire que mon père travaillait peut-être pour le professeur. Ne dis pas de bêtises. Ton père faisait bel et bien partie de la Fondation Antique. Tu n'as aucune raison d'en douter, crois-moi. Il a raison, ton père était un homme bien. Je sais, mais il avait énormément de secrets. Je ne sais plus quoi penser à présent, ni même en qui avoir confiance. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur.